Mbote na biso nyoso. Nazo kabino te boleki musika. Mbote na biso nyoso. Nalina senga bino liboso bolimbisi makasi pona ndenge programme na biso ekoti na retard makasi boye. Sincèrement na senga na bino bolimbisi na bino batu boye koyoka biso et puis na ba journaliste o bazalaki deja même à l'heure ba msusu ata baiki na mo retard, je vous prie sincèrement bolimbisa biso pona ndenge tobandi mayanga ni na biso na retard boye. Alors lelo ezali mokolo oyo na Bongi Saki pour na ko présenter discours programme Nangai Natango Boko pour na chiffre 9, chiffre ya renaissance, pour na été na ebako kamba mboka. Ba journaliste mususu ba sengi Nangai na sala effort, na lo ba franc lingala, de manière à ce que ba oyo, ba pe sa ka, ba sala ka journal na bango na lingala, ba e ba pe ko zwa mwa ndambu. Alors, na kotanga mwa moke, na français et puis après na kosala tuna limbola kapé na lingala bobanga te soki tangi msusu na tangi mwa mingi na français na kose rattraper tout le temps au moment où na kopé sa explication. OK, alors na bandi propos na ngai na komisi nzambe nenga permettre ngai lelo na zala liboso na bino na éviter soki bosi boyebaki ke na zaki consacré mosele ya nzambe na za enseignante ya parole ezali une grande bénédiction pour na biso. Alors, pour commencer notre propos, je voulais d'abord na banda na diagnostic ya nation pour na to sosola tina nini nazali kopé sa programme oyo. Donc depuis sa création en 1885 jusqu'à la Troisième République inaugurée par la Constitution de 2006, l'État congolais est intégré au système de prédation organisé pour entretenir sa faiblesse, la division, l'insécurité et la pauvreté, l'exploitation de ressources naturelles pour les intérêts de tous, sauf celui de sa propre population. Les crises politiques depuis l'indépendance participent à cette stratégie d'un État congolais constamment en crise, maintenant en faillite au point de susciter une théorie de son émiettement. Notre pays, la République démocratique du Congo, se prépare à vivre sa quatrième expérience électorale depuis l'avènement de la Troisième République dans un environnement marqué notamment par les situations ci-après. Le dysfonctionnement systémique de l'État, visible à travers une certaine impuissance de pouvoir public devant l'enrichissement illicite de politiciens, le détournement et la corruption endémique, les tueries ayant banalisé la vie humaine, l'exploitation sauvage et frauduleuse de ressources naturelles, les infiltrations étrangères dans l'administration publique, le manque de considération de textes légaux, le dérèglement de la justice. La guerre dans sa partie est depuis plus de deux décennies fait partie des facteurs perturbateurs qui hypothèquent la stabilité de la République démocratique du Congo, est un défi majeur à l'existence de l'État-nation sur les 2 345 410 km² de notre territoire. L'insécurité dans plusieurs autres coins du pays, particulièrement à Kwamout, sur le plateau de Bateke, dans la ville de Kinshasa, au Katanga, des territoires occupés à l'est du pays par des forces étrangères hostiles, invitées par le gouvernement et non invitées, sur lesquelles le gouvernement de Kinshasa n'a aucun contrôle. La tension sociale face à la baisse vertigineuse du pouvoir d'achat, la gabégie dans l'administration publique, l'indiscipline caractérisée dans le chef des citoyens avec une érosion très avancée de valeurs marquant la faillite morale. Le débat politique pour le positionnement et non pour l'amélioration du rôle de l'État au profit du peuple. Les velléités de pérennisation au pouvoir par l'entretien du culte de personnes
indispensable et non remplaçable dans les partis politiques et dans les fonctions de l'État. L'absence de cohésion nationale autour de problèmes de la nation, laissant libre cours à la haine et à des divisions sur base des intérêts propres des politiciens. Le fonctionnement des régimes politiques successifs depuis l'indépendance, avec les élections organisées jusque-là, celles prévues pour décembre 2023, présentant la même tendance, n'ont eu que le résultat de conserver le système de prédation pour les intérêts de quelques Congolais à travers des turbulences politiques, des conflits tribaux et la mauvaise gestion de la chose publique sans que le peuple congolais ne se retrouve et ne sorte de sa misère. La RDC est en péril. Et notre petite vision dans laquelle nous cheminons de la gestion d'un immense territoire avec des richesses scandaleuses aux grands enjeux mondiaux risque de nous faire perdre le Congo. Une situation générale d'irresponsabilité consacrée empêche de travailler pour la grandeur dans la manière d'aborder les questions de bien-être du peuple, de puissance économique, de souveraineté et de propriété du sol et du sous-sol congolais. Il est impérieux de passer à un autre système de valeurs et de gouvernance afin d'atteindre la renaissance de la République démocratique du Congo. Ce qui exige de savoir s'arrêter pour réfléchir, créer une cohésion nationale, fondre nos égaux dans l'intérêt supérieur de la nation, agir ensemble, conjuguer nos efforts et se préparer à poser les jalons d'un nouveau Congo, car notre salut ne viendra que de nous-mêmes. La vision de la rupture du système de prédation par la renaissance d'une république fait référence à un mouvement politique ou à une idéologie qui vise à transformer profondément le système politique existant, perçu comme corrompu ou prédateur, et à instaurer une nouvelle ère de gouvernance basée sur des principes républicains. Cette vision met l'accent sur les idées de transparence, de responsabilité, de participation citoyenne et de justice sociale. Elle cherche à remettre en question les pratiques politiques traditionnelles telles que la corruption, le népotisme et les abus de pouvoir en faveur d'une gouvernance plus éthique et équitable. La renaissance d'une république implique souvent des réformes institutionnelles, des changements dans le système électoral et l'établissement de mécanismes de contrôle et de surveillance pour garantir l'intégrité du gouvernement et prévenir les abus. Elle peut également promouvoir l'autonomie de pouvoir, telle que l'indépendance du pouvoir judiciaire et la séparation de pouvoir pour éviter les concentrations excessives de pouvoir. En résumé, la vision de la rupture du système de prédation par la renaissance d'une république aspire à un renouveau politique et à une transformation profonde de la gouvernance, mettant l'accent sur la justice, l'équité et la participation citoyenne. Je voudrais ici vous résumer le Congo en bref, en termes d'État. L'intégrité du territoire et l'unité nationale sont les éléments fondamentaux constitutifs de la nation. La RDC n'existe pas si cet espace de 2 345 410 km rassemblant les membres de 450 ethnies auxquelles s'ajoutent les étrangers qui vivent avec nous n'est pas intact tel que délimité en 1885 et récupéré en 1960. Je voudrais ici vous parler de la première naissance de l'État Congo parce que nous voulons ici, dans notre vision, parler d'une naissance. Le Congo a connu une première naissance. À l'issue de la conférence de Berlin, l'Afrique est partagée en morceaux comme un grand gâteau. Et c'est là que le Congo est créé en tant que propriété privée du roi belge Léopold II. L'État indépendant du Congo, EIC, naît un certain 1er juillet 1885.
Et c'est en 1908 que le roi Léopold II nous cède à travers un traité conçu en 1907. Il nous cède à la Belgique et nous devenons une colonie pour la Belgique. Je ne sais pas si vous réalisez, un pays de 2 345 410 km² avec ses habitants appartenant à un seul homme, et cet homme décide de le céder à son pays. Et c'est lors de la révolte en 1959 qu'une table ronde sera organisée en Belgique et qui nous conduira à l'indépendance en 1960. La proclamation de l'indépendance et la naissance de la Première République ont été tumultueuses. Les troubles liés à la transition vers l'indépendance ont caractérisé cette période instable, façonnée par la loi fondamentale adoptée par la Belgique. En 1964 et 1965, malgré l'adoption de la Constitution fédérale de Luxembourg par référendum, l'instabilité politique a persisté avec des rébellions et des défis continus illustrant la fragilité des institutions. Un coup d'État militaire en 1965, c'est l'établissement d'un régime à parti unique, de lutte de l'opposition et des tentatives avortées de démocratisation entre 1965 jusqu'en 2006. Cette période a été complexe et souvent marquée par l'autoritarisme. Plusieurs séquences de transition entre 1990 et 2006. L'introduction du multipartisme, la Conférence nationale de souverains, les accords politiques et les actes constitutionnels de transition ont tracé la voie vers une tentative de démocratisation et de stabilité, bien que les défis persistaient. Et c'est en 2006 que naîtra la Troisième République, l'adoption d'une nouvelle constitution dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai voulu tout simplement rapidement essayer de nous montrer que depuis 1885, lorsque nous sommes nés pour la première fois un État, il y a eu plusieurs actes qui ont permis qu'il y ait d'autres républiques qui nous ont conduits jusqu'aujourd'hui à la Troisième République. De montrer que la naissance de cet État, la naissance de ces républiques ces naissances-là n'ont jamais été faites pour l'intérêt du peuple congolais. Cela a toujours été fait pour l'intérêt d'un groupe de gens. Et c'est ainsi que nous nous disons, la rupture est urgente. Bokabwani est commis une urgence pour Nabisso. La République démocratique du Congo est au bord du chaos. Si rien n'est fait, le pays pourrait sombrer dans une guerre civile généralisée ou un effondrement complet. Un changement radical est nécessaire. Pour sortir de cette crise, la RDC a besoin d'un changement radical, comme je viens de vous le dire. Ces changements doivent être profonds et durables. Il doit s'attaquer aux causes profondes des défis auxquels le pays est confronté. Un nouveau leadership est nécessaire. Un nouveau leadership est nécessaire pour conduire ce changement. Ce leadership doit être capable de rassembler les Congolais autour d'un projet de société commun, puis d'être capable de mettre fin à l'impunité et de lutter contre la corruption. Il doit être capable de mettre en place des politiques économiques et sociales qui favorisent le développement et l'inclusion. À l'issue du désastre tableau que je viens de vous dépeindre, de la première naissance de l'État indépendant du Congo, en passant par l'indépendance jusqu'à la Troisième République de la RDC, je vous dis qu'il est plus que temps de prendre le courage à deux mains. Nous devons débrancher la République démocratique du Congo qui se trouve présentement dans le coma et maintenu par une machine politique artificielle. Et nous devons prendre courage de la laisser mourir dignement. Enterrons nous-mêmes cette République.
le laisser mourir dignement afin de lui permettre de renaître de ses cendres avec un nouveau souffle de vie. Chers compatriotes, Bandeko, Tokende Nambota Mayasika, la deuxième naissance. Voici notre vision de la rupture du système de prédation par la combolisation. Elle est une nécessité pour la renaissance d'un État. Bokabwani Yambala Kata, Naesale Liyamabe, Nanzela Yakombo, Ponambotama Yasika, Ya RDC. Nalingi Awana présenté Bino les 7 points de la combolisation pour d'abord comprendre, pour Nanintolobi, que il faut ton Kabwana, na système Wana ya prédation, ton Ekana 7 étapes ya combolisation pour permettre Biso, ton Kende, na Kongo Yasika. Les 7 points de la combolisation, on a consulté un mot rapidement et puis on a résumé. Le nettoyage personnel, le nettoyage autour de soi, le prolongement de soi, l'unité dans la diversité, ce sont les 4 premiers points de la combolisation qui touchent l'homme congolais. Parce que le véritable problème ici, c'est le Congolais lui-même. Arrêtons de nous cacher derrière les autres. Arrêtons de nous cacher derrière la communauté internationale. Arrêtons de nous cacher derrière le Rwanda, l'Ouganda. Tout ce qui se passe dans ce pays, c'est le Congolais lui-même qui l'a permis. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre vision, dans les 7 points de la congolisation, il y a 4 points qui concernent l'homme congolais. Donc, Yemoko Amisukwama, Amisukama, et puis l'air a... Quand il s'est nettoyé, alors après il faut qu'il dépe, qu'on a nettoyé pe baninga. Et l'air a bandi pe qu'on nettoyait baninga à comprendre que bande qu'on a vu sur ma politicien pour bangon des problèmes ya Congo, to qu'il dépe na kati ya réconciliation nationale, to limbi ça n'a pas na toi ba quoi avancer, ya ngonde prolongement de soi. Et quatrième point na biso ezali l'unité dans la diversité. To za la bomo ko loko la Congo yo. Les ont représenté Congo nyonso. Pour na soki to bomi Congolais, babomi Congolais moko. Lokola babomaka Lumumba tala na musapini bale na bomi na buki Congolais moko. Mais soki to lobi ke na meka ko buka Kombo na okokate. Alors to comprendre que to zonga bomoko, to zonga une nation. C'est ça les 4 premiers points de la congolisation. Et les 2 points qui suivent, c'est le nettoyage de l'État parce que une fois que Congolais a renouvelé, il faut que nous combo la paix l'État. To combo la. L'été est tondi bosoto. Et sixième point, nabiso, ndeko kumba biso na bonne gouvernance. Parce que une fois que to combo li, to koti sikoyo, na kati ya kokambamboka, na kati ya intégrité, na kati ya honnêteté, pour na intérêt ya moto nyonso. Et c'est ainsi que to koyeba ko chute na septième point, qui sera la renaissance de la République démocratique du Congo. Et cela se fera à travers une commission pour préparer la nouvelle constitution composée de tous, chefs coutumiers, scientifiques, hommes d'affaires, politiciens, hommes, femmes, jeunes, la société civile, les églises. On va se mettre ensemble, réfléchir pour donner naissance à une nouvelle république à travers une nouvelle constitution. Et cette fois, ça ne sera pas la constitution de Marie-Josée Ifoku Mputampunga. Ça sera la constitution de tous les Congolais. Une nouvelle ère via la Renaissance avec un code génétique différent. Nakati ya programme Nabiso, on a une appelée Sikoyo. Tu peux expliquer une philosophie, concept Nabiso, pour nani nazo senga to kene nakati ya Congo Sika. On a ni nazo senga na peuple congolais ba élire ngai comme une candidate o bango ba poni on a kumba bango na kati ya mandat moko o ekoyeba ko préparer mbotama ya singa ya sika ya Congo na kati ya programme na biso ya liboso chapitre ya liboso to tenini le congolais. C'est ça notre premier point na kati ya programme na biso, la construction du nouveau citoyen congolais. Je vous ai dit, nous devons avoir un nouveau code génétique. Le Congolais a été souillé. Le Congolais a été pillé.
Le Congolais a été violé, il continue même à être violé. Le Congolais a été abusé. Et il y a un avis sur ton lobby que nous sommes Kumbi na katia destruction ya Congolais. Donc, nous devons aller, avant d'aller à une nouvelle république, nous devons aller à aider le Congolais lui-même à naître de nouveau avant d'aller gérer une nouvelle république. C'est le problème que nous avons connu. Je viens de vous démontrer que nous avons connu un État congolais, nous avons connu plusieurs républiques, mais en réalité, ça n'avait rien changé parce que le Congolais n'était pas né de nouveau. C'est important que le Congolais puisse naître de nouveau pour qu'enfin il puisse conduire cette nouvelle république que nous sommes en train de préparer ensemble. Donc, les quatre premiers points de la congolisation parlent de notre renaissance en tant que citoyens congolais, par le renouvellement de notre intelligence, par une prise de conscience qui commence par un nettoyage en soi, une conscientisation de l'autre, la réconciliation nationale et l'unité dans la diversité. Il s'agit de former l'homme congolais et la femme congolaise en le préparant à se prendre en charge avec responsabilité pour intérioriser par l'éducation et la culture les valeurs républicaines indispensables pour la construction d'un nouvel État congolais dont le respect du bien commun, la justice pour tous, l'égalité des citoyens en droit, l'intégrité morale dans la gestion de la chose publique, le respect de la diversité, la réussite par le mérite, le respect absolu de la vie humaine, la solidarité, la fraternité, l'amour du peuple et du prochain, le pardon social, le travail, la primauté du droit et l'irréductibilité de l'intérêt du peuple. Construire l'esprit patriotique et le mental de développement dans la gestion de la 4e République. Un homme nouveau pour une nouvelle République, comme je viens de vous le dire, on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se repent, et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans les outres neuves. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien. La matérialisation des quatre premiers points de la congolisation aura lieu à travers le premier axe prioritaire de la formation humaine et la construction du bon citoyen agent de la renaissance et du développement intégral. Des programmes particuliers et des réformes audacieuses auront lieu dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de l'administration publique, de la justice, de la culture, de l'encadrement des jeunes, de la prise en charge de la famille, de la santé, du développement agricole et de l'organisation du travail, ainsi que les infrastructures de base, socle du développement. Il s'agit de former le bon citoyen, faire de la famille, de l'église et de l'école les cellules primaires de la formation des bâtisseurs du bonheur collectif, des travailleurs à la recherche assidue de l'excellence, des leaders soucieux des autres, des dirigeants dévoués à la patrie et intègres, et des femmes et hommes disciplinés. La place privilégiée des femmes et des jeunes. Nous devons reconnaître les femmes et les jeunes comme agents de changement et les inclure pleinement dans la construction de la nouvelle République. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, sera matérialisé à travers la formation et la responsabilisation des femmes dans le domaine aux côtés des hommes. Il faut honorer la femme comme matrice du monde. Le Congo de demain pourra bénéficier d'une société plus équilibrée, juste et prospère. La formation professionnelle et qualifiante est nécessaire et prioritaire pour résorber la masse des jeunes laissés dans l'oisiveté et leur usage abusif dans l'entreprise de la violence qui se trouve au service de prédateurs politiciens et affairistes. Le chantier que constitue le Congo pour son développement a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. Notre premier pilier, c'est améliorer le système éducatif.
transformer le système éducatif de la RDC en un moteur de développement économique et social. Pour ce faire, il est nécessaire de créer un système éducatif accessible à tous, favorisant l'équité, la créativité, l'innovation et la recherche de solutions pratiques aux problèmes congolais. Créer un système éducatif accessible à tous, favorisant l'équité, la créativité, comme je viens de le dire, l'innovation et la recherche des solutions pratiques aux problèmes, de fournir un moteur de développement économique et social de qualité et accessible à tous. Pour cultiver un capital humain qualifié et compétitif, ce système éducatif et des formations axées sur le marché du travail va pouvoir aider nos jeunes à entrer dans le marché du travail. Un système éducatif et formation en tenant compte de nos richesses naturelles est très important. Parce que tu as réalisé que ma programme d'abissoya éducation est tikalika kana modèle akala, banda période et à colonie. Alors que nous avons beaucoup de richesses ici au Congo, nous avons des forêts, nous avons des eaux, nous avons nos richesses minières, nous avons du pétrole. Il fallait que le programme soit à l'accès à cela. Et c'est ce que nous avons compris. Et nous vous proposons justement, nous allons changer le programme et l'adapter à nos réalités afin que nos enfants, lorsqu'ils auront se jouir d'un financement à travers un projet pour pouvoir entrer dans la gestion de la chose, la gestion avec ce genre de projet qui pourront les aider à devenir justement des potentiels millionnaires. Un investissement dans les infrastructures éducatives est important. Des écoles, des collèges et des universités seront construits ou modernisés en particulier dans les zones rurales et marginalisées. Cela permettra d'accroître l'accès à l'éducation pour tous les Congolais, y compris les filles et les groupes marginalisés. On ne parle jamais de nos pygmées. Nous avons nos enfants albinos qui sont rejetés et tout cela doit être pris en compte dans le programme parce que ce sont des groupes de gens qui sont marginalisés. La formation d'enseignants de haute qualité. Il faudrait reformer nos enseignants. Les enseignants seront formés de manière continue pour garantir la prestation d'un enseignement de qualité. Cela permettra d'améliorer les élèves et de réduire les disparités entre les écoles. La promotion de l'éducation pour les filles et les groupes marginalisés, comme je viens de le dire, et l'éducation pour tous. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dans la plupart des programmes dans nos écoles, c'est que l'horaire après-midi, ba parents oyo balingi ba se remettre à niveau, ba parents oyo ba tangate na katia bekol wana, yo programme eux vont permettre bango ba se remettre à niveau, eux vont permettre bango ba e ba kotanga pona ba oyo ba e tangate, et c'est toujours à travers ces écoles là que nous pourrons aider ces parents là ou des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier, ils peuvent retourner à l'école. Nous devons aussi favoriser la recherche scientifique congolaise. Pour avancer vite, nous allons parler de vérité, justice et réconciliation. Tolingi que nous avons dit que Sabino que na quatre premiers points à combolisation d'Abisso, à un moment donné, toza obligé pour passer à autre chose, ton le banaba vérité, pour le kuta et qui mingi kobomba et le qui mingi. Donc la manière dont ma kambozosa manambo kanabiso ils allaient permettre était alors, à travers Tawana, Tokosala Moussala, on a ma vérité et Bima, on a réconciliation et Yébana Kosala Maya Solo. Parce que Tokosala réconciliation, t'es Nakatia Lokuta. Alors, pilier 3, ils avaient pour promouvoir un système de santé plus résilient. Donc, on a pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les Congolais. Tout le monde qui n'attend, il y a colonie. Pourtant, Bango, tu sais que nous avons esclaves dans ton Bango. Mais conditions, il y a Congolais, ils allaient qui mieux que les lots où il y a Congolais, Bazo Kambamboka depuis 1960. Ce qui n'est pas normal. Les lots, tu as fini à Bapaya. Tu as fini à la communauté internationale. Mais moi, je trouve que nous faisons pire que la communauté internationale. À l'époque, il y a colonie.
Nous avons à peu près 155 000 km de route. Le nombre que nous tourne, ton coin peut-être n'a 20 000 km de route. Nathan ya colonie, ton zalaki n'a pas voie ferrée, ton zalaki n'a pas transport et peut-être permettre Bissot. Nazo s'est rappelé, maman n'a Bissot, parce qu'on est des vacances, c'est pas la baron Kuna n'a bouindé, avant qu'on aille bouindé. Parce qu'on est des tina katiamboka. Parce que justement, il y avait des bateaux qui leur permettaient d'arriver là. Donc, ma paya bakambi mboka, bakambi ango, ma lame koleka Bissot, même na katiabonyo koli. Mais Bissot moko congolais, t'as eu le pouvoir, t'as allé quoi abuser na peuple na Bissot. Nazala qui n'a tué pas pendant 2 ans. N'a qu'un éco visité, bah, hôpitaux généraux na Bissot, mais c'est grave. C'est grave, je vous dis la vérité. Ce que j'ai vu là, je ne comprenais pas comment les gens pouvaient avoir le courage de nous inviter pour n'attendre que nous visiter, qu'on visite Nini, Mouroir, qu'on visite Sika Batezan de Bakoufoua. Pour qu'on compte à qu'on a pour n'en garder à mon rôle au Kobimate. Mais, pour la bango, bah, qui est normal, bah, faire visiter Bissot, bah, hôpitaux, oh, yo, bah, n'en délai, bah, tikaka. Bissot Totonga Nini, 63 ans plus tard, avec tous ces milliards. Avec tous ces millions que les politiciens détournent chaque jour. Et nous tous, nous faisons passer ça dans les réseaux sociaux en rigolant. Peuple congolais, révolte-toi. Pourquoi tu acceptes cela? Problème, les amis, les politiciens, t'es. Ngaï, n'est qu'on est de la institution peuple. N'a bien eu une institution pour comprendre que tu as un pouvoir et que tu ne peux pas continuer à accepter d'être maltraité ainsi. Ceux qui ont se révolté mentalement, t'es, n'a pas se révolté pour Nayo. Pendant que nous allons bango, il faut qu'on réduise les inégalités dans l'accès aux soins de santé. Naïbi l'herbisso tozaki banamike, tozaki na bakarte ayant droit, papa za fonctionnaire à l'État, tozaki okende na opi, nous allons botama na clinique galema, tozaki okende kuna, on a ba soin na biso, et tant qu'on a toujours la fonction publique. Donc, nous sommes là pour nous convaincre, même les païens, les kamba qui bissent, les traités qui bissent, malgré l'esclavagisme, mieux que les consignes qui l'eau. Pilier 4. Promouvoir et préserver notre patrimoine culturel. Forger une identité nationale inclusive et un vivre ensemble harmonieux, fondé sur le respect des différences et la citoyenneté active. Renforcer le sentiment d'appartenance nationale. La paix, c'est exemple. Bah, on a vu tenue na bango, par exemple, dans le sport. Tu crois qu'on imprimait les bango, par exemple, ils ont la t-shirt, la drapeau, la biso, juste pour na, bah, se sentir congolais. Tu crois qu'on imprimait les bango, t-shirt avec les léopards, na ba tenue na bango à sport. Car après, on a qu'on zonga de mon corona. Ce sont des petits exemples, mais qui peuvent aider, justement, il y a qu'on renforcer sentiment, na, et appartenance nationale. Et ça, il est important de comprendre que tous amoutou tout mon corps. Promouvoir le respect des différences culturelles. Toboyo, baluba baliaga mbwa, mbwa les cultures na bango. Toboyo, bamango baliaga ntuka. Toboyo, et pas ba congolais ba balaka, mais c'est leur culture. Mieux vaut tous à la tolérance, tout le gâteau comprendre, bango baliaga mbwa pour na nini. Oyo kuna baliaga ntuka pour na nini, ba congolais ba balaka de telle manière pour na nini. Alors c'est ça la richesse. Parce que nous allons comprendre et nous te liwapi. Au lieu de finga, to boya, to mukato sosola. Alors, pour aller vite, pour nous passer, toke na chapitre na biso ami balé, c'est le chapitre de l'État. Tout à l'heure, le premier chapitre, c'était le Congolais. C'est lui qui est mis en exergue dans notre projet ici, c'est le Congolais qui est mis au centre. Et c'est ainsi que l'État vient en deuxième position. Parce que dans notre vision de la rupture du système de prédation par la congolisation, je vous ai dit, les 4 premiers points concernent le Congolais. C'est pour ça que nous l'avons mis en exergue dans notre programme. Et donc, dans le deuxième chapitre, comme nous l'avons dit dans la congolisation, le point 5 et 6, c'est l'État. Le pilier 5, c'est la paix et la sécurité durable. Je vais les citer, puisque nous aurons le temps, vous allez m'inviter dans vos émissions pour que je puisse décortiquer cela, pour gagner du temps. Pilier 6, une gouvernance plus efficace, claire et intègre. Je vais juste vous donner un exemple. Dès que vous avez un peu de temps, vous avez un nombre de bangote. L'invité est un peu normal. Nous n'avons pas de carte d'identité. L'invité, quand est-ce que la dernière photo, c'est un recensement dans Mboko?
Mais nous avons vu des gouvernements se succéder, mais l'autre chose importante pour la causer au pouvoir, c'est conserver le pouvoir, c'est garder le pouvoir. Mais comment voulez-vous au Kambabatu, au lieu d'être un nombre na bangote, biso ba mama, pour la ton lamba, on nous donne un babylon à rouler, bas bazali 5, bazali 10, bazali 20. C'est ça aussi la planification, non? Parce qu'on y a du nombre à batou, on y a des autres bongi ça. Là, on consomme la bakous, on consomme la foufou, on consomme la madessou, on consomme la quantité à partir du nombre à batou, bazali nandakou. Nous, on y a un babylon à batou, 1700, 1900, on y a un batou 20 nandakou. Est-ce que vous simba? Et vous simba, t'es? Le pilier 7, le renforcement de l'état de droit. La PSK, exemple, mon con, quand le européen s'en a pouvoir, le con, là, il faut la séparation de pouvoir. Le pouvoir judiciaire sera donné à l'opposition. C'est aussi une façon de gouverner. Parce que si le pouvoir judiciaire est automatiquement entre les mains de l'opposition, bah, au baso kamba, va commencer à la tension et comme il garde le fou. La lobby boye. La tango européenne sanga bokonzi. Bato et baza opposition, d'être européen sanga au pouvoir judiciaire, pour na été, baye bako contrôler biso malamu. Parce que ceux qui pouvoir judiciaire, ils ont un bon y a bato bazo kamba, boyo kanile yon son a cessé. Moyen to bako tonge zate. Pilier 9, la protection de l'environnement, moteur de notre énergie verte. Tozo qu'on s'engageait à réduire les pénuries d'électricité et à favoriser l'industrialisation tout en préservant les écosystèmes. Tozali, le deuxième poumon ya mokili. Lelo na mokili mobimba, tozo mona bamboka mususu, bazo détruire couche d'ozone. Et bangonde le bazali wana, il faut pas foutre à biso, parce que biso, tozali, deuxième poumon ya mokili. Congolais, faut que vous ayez la conscience na biloko, on a tout bimana kata mara moseka l'air nyonso. Au lieu de silika, toko mara moseka. Arrêtons de rire. L'heure est grave, chers frères et sœurs. Tozali awa, le poumon du monde. Il faut te exiger, biso tozo préserver, tozo conserver environnement na biso et sengeli ke fout à biso mbongo. Mais mbongo est disponible. Mais à cause d'inconscience, la e baza kambaka, bazo sosolate qu'il faut qu'on prépare ba projet pour la reconnaître que zoba mbongo wana, pour la construire ba population na biso bazali ko nyokwa. Comment voulez-vous, na zongi kara na temps, oya époque coloniale, puisque l'histoire na biso e bandi wana. Nous avons les plus grandes plantations en Congo. Cacao, café, palmeraie, natale soussou, caoutchouc. Donc, tu as ma plus grande plantation. Alors, comment expliquer que les autres ont coupé en zala? Ma belle on est à Kakarich. Échanger tes. Ma sangue est botte, en 3 mois, ma sangue est botte. Mais c'est quoi le gouvernement a dit ça? Comment sont ma sangue libanda? Est-ce que c'est normal? Donc, nous avons des mamans maraîchères qui sont là. Au lieu d'aller acheter. Babylon, comment que Zanga Tina Yata le Maka, c'est Bami Touka 200 000 $, alors que tu vas consommer Mamou Touka 50 000 $. Cette différence-là, tu vas être financé par Maman Wana, parce que ça a déjà la carte à météo. Au lieu de détourner un million, il y a que détourner un million de gens qui sont en train de se faire, mais que l'on a réseaux sociaux, on a dit qu'on a Maman Wana, pour aider Bango. Baza déjà la carte à métier na bilanga pour faciliter bango tâche à travers des engins lourds pour na bango baye ba kosala bilanga sans que ba nyokwama. Mais mawa ezate. Mawa ezate. Peuple congolais azo kufa nzala alors que azali na sol boko arabe ce qui a 80%. Est-ce que c'est normal? Tout comme le gars qui na ba Dubaï, est-ce que sécheresse ezali ma ezate? Biso to kosala tour na mbula moko awa tolonia ekauki toke na province mususu ekauki toke na région mususu. Donc pendant une année toke ko tourner tozo le eloko nyonso tozo traverser ba grande route tozo mona bilangate na kenda na île Maurice soko longwe aéroportier comme à la ville kaka kana sucre kana sucre kana sucre donc ba développer économie na bango sur base ya kana sucre. Est-ce que biso toyebi makambo wana te bien comment? Mais parce que d'habitude ils allaient paradis fiscal pour là-bas qu'ils n'arrivent pas bon, bah traverser à Banzela, on attend les gens à traverser ça, bah mon équipe a la sucreté,
Donc, et nous, qu'on c'est pas la plus scandale. Peuple congolais, prenons conscience de ces choses. Chapitre 3, le monde. Il faut tous en avoir partenariat international. La RDC doit s'appuyer sur la coopération avec les organisations et les pays amis pour renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption. De la même manière aussi, par rapport aux autres, ce que j'appelle le monde, on a vu ces alliés importants que na Istanbul, on a vu surtout ça en Angola, ils ont une zone économique. On a pour permettre que Bapaya, Baya pour s'installer, Panabiso, au lieu à travers la guerre, Wana, Baya, Kendra, pour extraire ma richesse, Nabiso, minière, et puis, elle, les Kakanabambo, comme Soumba, qui nous rote, Kango. Nous, soit, nous allons une façon, ce que vous allez responsable, au lieu de négocier, na Bapaya, Bakoye, Bakoyo, Kayo, Bakoye, Bakosola, Nayo. Mais ce qui est, les gens, Baya, Kabiso, c'est parce que, Bazo, on a sérieux, les alités. Bazomo na que tozo ke negocie ngambongo me modèle ton voyage a kaiza normal té. Totambo la na batu 100 na batu 200 mais yozo ke negocie ngambongo na butu ba kibino bozo belaka ba masangatalo comment veux-tu ba pesa binombo? Il faut que ba kozala sobre, il faut otambo la humilité pendant qu'on allait ko négocier ba tozo so so la ke awa na ko fonda la porte. Parce que les relations avec les autres, ils ont la calamité. Ce sont les relations, tout simplement. La diplomatie, ce sont les relations. Il faut savoir développer les relations. Et ben, Ninga, on est beaucoup mieux d'abord, bakoye, bakoyo, kabino. Mais tous ont la capable de ressaler en côté, parce que tous ont la tendance à ressaler irresponsable. Comment on a mis biso de yibar à l'air nyonso, on est pas respecté biso ezali. À travers une commission, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec nos chefs coutumiers, nos scientifiques, nos hommes d'affaires, la jeunesse, la femme, tout le monde, les hommes, les politiciens, la société civile, pendant que Bazali qu'on préparait en gros, durant ce temps-là, et qu'on permette à Bissot Sikoyo, tout qu'il y ait un référendum, et Sikoyo, tout qu'il y ait une constitution pleinement congolaise, qui tient compte de notre histoire, d'où nous venons, depuis que Botama était indépendant du Congo, et place Nini, Tozali, et Sikani, Nini, Tokumba, Congo. Et c'est là que la RDC devient un État souverain. Pour conclure, chers concitoyens, je viens de vous le dire, aujourd'hui, il est à un carrefour critique, confronté aux conséquences d'un système de prédation séculaire qui a sapé nos fondations nationales. Depuis ma première candidature en 2018, j'ai ardemment plaidé en faveur d'une rupture radicale avec ce système délétère et ma conviction en la nécessité d'un nouveau ou d'un renouveau collectif n'a jamais vacillé. Je suis convaincu que la combolisation est la clé de ce renouveau, un processus profond de transformation individuelle et collective. Cette philosophie guide mon engagement envers une politique authentique et un service public de qualité. La candidature que je présente aujourd'hui est bien plus qu'une aspiration présidentielle. C'est un appel pressant à l'action, une opportunité cruciale pour opérer une véritable transformation et poser les fondations d'une 4e République. Notre vision transcende les frontières de l'ordinaire. Nous aspirons à un écosystème politique innovant, capable de résoudre les défis majeurs de notre nation. Notre priorité est de démocratiser le pays, restaurer la sécurité, promouvoir le patriotisme, lutter contre la pauvreté et développer notre nation tout en favorisant une coopération régionale et internationale équilibrée. Le moment est venu de rompre avec le cycle de l'instabilité et de l'incertitude. En sollicitant le suffrage de mes concitoyens, je m'engage à concrétiser cette vision ambitieuse. C'est une responsabilité que je prends avec gravité, consciente de l'urgence de notre situation. Ensemble, nous pouvons mettre fin à l'effondrement de l'État et reconstruire une nation où la cohésion nationale, la justice et la prospérité sont les piliers de notre avenir commun. Avec un profond dévouement
et une foi inébranlable en un Congo nouveau, je vous invite à nous rejoindre dans cette entreprise audacieuse. Le changement est nécessaire, le changement est possible et le changement a commencé avec moi, avec vous et avec nous. Neuf mois, le chiffre neuf, je le porte. Le chiffre neuf. Le chiffre neuf. Neuf mois. Na katia libounou, maman nyo sa zo kanga pa sa zali. Maman nyo sa zo comprendre le mot na zo leba. Na komi koyo kaba douleur et enfantement au peuple congolais. Na ye ko senga na bino le lo, solennellement, bon, à la sage-femme, on va accompagner Ngaï, on en a bota Congo Yassika. Congo, je vous remercie. Avancez, Mouké, avancez, Mouké.